Putain, Véro, j'ai une coquille dans les 4S. Vous avez marqué faut semer les carottes, mais c'est faut semer les carottes. Quoi? Attends. Une coquille. Non, Pascal, on a parlé des faux semis. On est début, milieu du mois de mars, on va commencer les premiers semis. Donc là, on est sur une planche, on a de l'ail qu'on a planté cet automne et juste à côté, on va faire des rangs de carottes. Donc avant de faire ce rang de carottes, on va réaliser un faux semis. C'est-à-dire qu'on va préparer la planche comme si on allait faire vraiment le semis de carottes, mais on ne va pas le faire. Ce qui va permettre à une partie des plantules qui sont dans le sol de germer. On viendra les sarcler par la suite et après on fera notre vrai semis pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre ces plantules et nos carottes. Dans la première étape, on va d'abord enlever la paille là qu'on a mis en léger paillage pendant l'hiver. Et après, on va préparer notre sol avec un coup de croc, un coup de râteau et en l'arrosant régulièrement si jamais le temps est chaud et sec pour, ben voilà, pour faire lever les petites graines qui vont vouloir germer à la même température que nos carottes qui vont arriver 15 jours ou 3 semaines après. À terre vivante, comme on a un sol argileux et un petit peu compact, on aime bien avant les carottes passer un petit coup de croc pour décompacter la terre un petit peu plus en profondeur. Donc on va venir passer le croc sur notre planche et après on passera le râteau pour préparer le lit de semences pour faire comme si on allait semer les carottes. Ça sera ça le faux semis. Donc là on vient de passer le croc et on vient avec notre râteau préparer le lit de semences. Donc on essaye d'affiner le plus possible, de reniveler. On prépare aussi bien que si on allait faire un vrai semis derrière. D'accord? La seule différence, c'est qu'on ne va pas mettre de graines dans le sol et on va attendre que celles qui sont dans le sol, ben, germent pour pouvoir les enlever. Donc ça y est, on a réalisé la première étape de notre faux semis, à savoir ben, préparer notre sol. Maintenant, on va venir l'arroser régulièrement s'il fait sec pendant 15 jours, 3 semaines. Et quand ben, les plantules auront levé, on viendra les enlever à l'aide d'un sarcloir. Voilà, donc il y a plein de petites plantules qui ont levé et qui sont typiquement la petite banque de graines qu'il y avait dans le sol qu'on va venir enlever avec le sarcloir. On a fait notre faux semis, notre préparation du sol il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a plein de petites plantules là qui ont commencé à germer un petit peu partout. Avant de semer nos carottes, on va venir tout simplement avec le sarcloir enlever ces plantules, laisser pendant une ou deux belles journées ensoleillées les plantules sécher et après on fera notre vrai semis qui ne sera pas concurrencé par celles qui ont levé quelques semaines avant. Une fois qu'on a passé le sarcloir, on vient passer un coup de râteau tout simplement pour reniveler le sol. Et c'est comme ça, on va dire, pendant 2 jours au soleil, avant de faire notre semis. Donc le faux semis, c'est une super technique dans les sols qu'on considère, on dit un peu sales, entre guillemets, c'est-à-dire des sols où il y aurait beaucoup d'adventices, beaucoup de mauvaises herbes. Ça permet ben, d'enlever ces plantules pour pas qu'elles entrent en concurrence avec nos plantules qu'on veut pour de vrai, nos carottes, nos salades, notre roquette, peu importe. On n'oublie pas qu'il faut anticiper, qu'il faut le faire quelques semaines à l'avance avant le vrai semis. Et surtout, c'est un geste qu'on peut reproduire régulièrement dans la saison pour se dire ben, j'enlève les plantules qui vont germer en mars, puis les autres qui vont germer en avril, puis celles qui vont se germer en mai, pour chaque fois limiter la concurrence avec la vraie plante potagère que l'on veut mettre dans le jardin.